Et salut à tous, c'est Pépèche à la manette et on est reparti sur le Let's Play Zelda Breath of the Wild. Alors en préambule sur cette petite vidéo, je voudrais dire à tous ceux qui suivent la chaîne, merci beaucoup. À ceux qui regardent et qui likent les vidéos, merci beaucoup. Par contre, à tous ceux qui seraient les premiers venus sur les vidéos de Pépèche et Mémèche ou sur la chaîne, s'il vous plaît, mettez des pouces, des commentaires, et surtout abonnez-vous parce que je vous avouerai que bon, je le fais pas simplement pour les abonnés, je le fais parce que ça m'amuse, parce que j'aime les jeux vidéo, mais c'est vrai que de voir un peu augmenter le nombre d'abonnés, ce serait sympa. Voir également le nombre de vues augmenter par vidéo, ce serait sympa. Donc, s'il vous plaît. Premier venu sur la chaîne, première vue sur une de nos vidéos. Abonnez-vous, ça coûte rien. Vous verrez, les vidéos sont régulières, nombreuses, sur différents types de jeux. Merci d'avance. Allez, on est reparti sur ce let's play. Par contre, notre ami le Tananorok, on va le laisser tranquille. On va juste dégommer cette chèvre, ben, ça n'a pas marché. Alors c'est fascinant parfois comment les animaux dans ce jeu disparaissent. Mais vraiment, ils disparaissent quoi. J'ai rien d'autre comme arme que ce truc. Bon, apparemment, j'ai que de l'arme lourde, hein. On va prendre celui-là, hop. Et on va surtout laisser le. Pour aujourd'hui, on va simplement essayer d'atteindre Cocorico. La dernière fois, je me suis escrimé sur ce Tanorok. Enfin, je sais pas exactement comment ça se prononce. Et ça a été une galère sans nom. Donc là, on va simplement se faire plaisir. Oh là là. Il y a un camp apparemment de foufou. Combien sont-ils? D'accord. Ramassons les rubis en attendant. Les plus dangereux, ce sont ceux-là. Et si l'on prenait une petite... petit fortifiant. J'ai pas grand chose en fait. Voilà. Ouh. Alors lui. On va ramasser la massue beaucoup. Lui, on va le dégommer à l'arc. Voilà. Et ben voilà. Un petit camp décimé, vite fait, bien fait. C'était pas du pur talent, je vous l'avouerai.
mais bon. On va prendre la viande. On va la manger. Voilà, on est bien. On est bien, Tintin. On va ramasser tous ces trucs. Flèche, ça fait plaisir. Le compartiment des arcs est plein. Il me semble. Il est toujours vivace, celui-là. Bon, on va le jeter, celui-là. Hop. Voilà, on va ramasser ce. J'aimerais bien attraper ces lucioles. Parce que de mémoire dans Zelda, il y a des. On pouvait le faire. On les enfermait dans des petits bocaux. Ouais. Une Gemenox. Bah écoutez, ça changera pas le cours de ma vie. Range ton arme, s'il te plaît. Allez, on est parti. Est-ce qu'on n'irait pas jusqu'à ce petit... C'est vrai que je... J'avais dit Cocorico, mais bon... Pourquoi pas aller... éclairer la map, je sais pas ce qu'elle dit d'ailleurs, cette map. Oh, elle est pas mal. C'est magnifique. Je pense qu'elle est énorme la map. Alors, il n'y a rien. Petit steak de... une venaison. Qu'est-ce que c'est censé faire, ça, d'ailleurs? D'accord. Donc bon, on a bien compris qu'il fallait la cuire. Pourquoi je fais ça? Ouais, c'est au bout du monde, le truc, hein. On s'éloigne carrément de Cocorico, quoi. Oui, carrément. Les cœurs. Ah oui, c'est vrai que j'ai le paravoile. Allez, on essaie. On se fait plaisir. C'est quoi ça? Allez, on essaye. C'est vrai que c'est bien pratique, hein.
sanctuaire pas loin. Ce petit oiseau, voilà. Allons-y pour voir. Et de la viande de volaille. Oh, c'est paisible. Par contre, j'ai du mal à voir où se trouvent les. Quand ça bip comme ça, j'ai du mal à voir où se trouvent les. Oh, une poulette, une belette. J'ai l'impression. Qui es-tu? Hi. Non, jamais. D'accord, t'as rien d'autre à raconter, c'est bien. Oh, je suis fort. À fond la forme. Alors. Village d'Elmite, village de Cocorico. Finalement, on est sur le bon chemin. Par contre, c'est super flippant de. Ah, c'est peut-être là-bas, non? On voit des choses. Donc, que ce soit là-bas. Je sais pas ce que c'est ce truc. Bon, je vais déjà essayer de grimper là. J'aurais peut-être une meilleure vue d'ensemble de la zone. C'est rigolo parce que je pensais vraiment m'éloigner du truc. On va prendre le petit coffre. Hein. Ça coûte rien. Oh le vandale. Le vandale. Alors, où serait ce petit. Qu'est-ce que c'est que ça quoi? C'est très étrange. Un marchand. Un marchand de sommeil. Oh, on va y aller. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il veut là? Ah, c'est la fête au village ici. Quoi, tous ces gens? Ah! Ouais, super. Ce bip est particulièrement pénible. D'accord, c'est un relais des géminaires. C'est rue Tabaga. Excusez-moi, c'est la blague du samedi. Qu'est-ce qu'il veut? Le mystère de la lune de sang. Je l'ai. Oh la lune de sang, j'en peux plus d'entendre parler quoi. Ah. Oh.
Ouais, mec, j'y penserai. Mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce bouge? Salut les gars! Oh, vous avez des drôles de faces, quoi. Vous réfléchissez? Oh, il va y avoir des choses à vendre. Quoi? Gashan. Non. Un lit extra, un lit moelleux. Quelle différence! Oh! C'est juste pour pioncer, quoi. D'accord. Mais t'as rien à vendre du gland, là? Oh! Ok. Ah! Celui du grand voleur lambda. D'accord. Ah. Ok, c'est bien pourri par ici, hein, les mecs. Comment on fait pour les dompter, quoi? D'accord. Va parler aux deux petits si tu veux des conseils pour débourrer les chevaux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qui les deux petits? Tu peux me dire? Ah bah c'est eux les deux petits. Oh, on peut toujours soulever les poules. Formidable. Il y a rien à voler ici? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais. D'accord, donc on achètera des... On va prendre les fagots. Oh, les belles pommes! Prenons ces pommes! Oh, c'était bien mon intention. Hein. C'était bien mon intention de me serrer les pommes. C'est quoi ça? Un chien. Puis-je tuer ces boucs? Absolument pas. Ça m'aurait semblé un peu barbare, mais bon. Ne sait-on jamais. Il y a des chevaux là-bas, quoi. Donc, je vais peut-être. Ah, bah, il y a un sanctuaire là. Oh, le bonnet, quoi. Alors, tout d'abord, je vais me faire une petite mixture. Hein. Allons-y. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, on peut enflammer les flèches, quoi. Je vais tuer ces poulets, là. On peut pas. Bon, allez, arrête de. De t'exciter sur les poulets. Alors, une venaison. Une pomme. C'est quoi ça? Des yeux de chauve-souris, pardon. Un champion du roi. Et un gland. Allons-y.
chutney de fruits. D'accord. C'est génial. C'est la première fois que je voyage, effectivement. Mmh. Oh, les monstres, je les dégomme. Des remèdes. Insectes et viande de monstres. Ah bon? Ouais. Ok. Un remède tempo. Oh bah j'en ai déjà. Oh. Ouais, c'est bien. D'accord. Un morceau de monstre et un lézard tempo. T'en as pas à vendre dans des... Ouais, ok. Effectivement, c'est amusant. Quel humour. Eh bien, nous allons nous rendre dans ce petit sanctuaire. Ça, comme ça, ça arrêtera de biper. Oui, alors je dis ça, mais apparemment, je ne peux pas y aller. Ah, effectivement. C'est what the hell. Alors, faudrait-il monter, par exemple, pour s'y poser tel un oiseau des plaines? Pourquoi pas? Tentons notre chance. Je vais pas monter à 12 bornes, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai une belle flemme. Une belle flemmingite du samedi. Donc, je sais pas ce que c'est, ça. C'est quoi, c'est un... Faudrait-il le faire exploser? D'accord. Il est particulièrement imbécile hein, quand il pose une... Bon, ça me saoule. Est-il capable de... Essayons. Où est-ce qu'elle tombe? Oh, ça m'agace. D'accord. Et le A. C'est pas mal, au moins ça a explosé. Je suis à moitié mort, mais bon. Qu'est-ce que j'ai gagné? De l'ombre brute. Tout à fait. Alors, je vais essayer d'aller là-bas. Ça sent la mort à plein nez, mais bon. Eh ben non. Bien joué, mon petit bonhomme. Alors, est-ce que j'ai quelque chose à... Je vais manger une pomme, parce que ça me saoule ce bruit.
Ouais, alors par contre, j'espère qu'à la sortie, je pourrai. je peux voir. Parce que sinon, je veux bien le seum. Vous pouvez déplacer votre viseur. Ah, carrément, quoi, avec le gamepad. Oui, allez, c'est bon. On peut y aller, quoi. Suivre la voie de l'eau. Oh, c'est pénible. Oh, vous savez quoi, je vais faire ceci. Comme ça, je vais regagner quelques cœurs. Ça m'évitera de me prendre la tête à manger des pommes, à, comme disait un certain Jacques. Alors on fera comme si de rien n'était, hein. Voilà, j'arrive dans le sanctuaire, je ne suis pas... Alors, comment sélectionnons-nous le Polaris, le Cinetis, je pense que ce sera ça. Allons-y, mais comment faisons-nous ici maintenant, hein? C'est très complexe. Ah ouais, il est comme ça, lui. Et c'est le fail. J'ai pas compris, là. Je vous avoue, j'ai pas percuté, quoi. Est-ce qu'on peut le faire? Ah, on peut le faire plus haut, d'accord. Du coup, j'ai vu un truc là, je sais pas ce que c'était. Ah, donc on peut descendre par là. Quel est ce mystère? Oh. Ouais, tout d'un coup, les donjons deviennent gigantesques. Je vais déjà voir ce qu'il y a là-bas. Et cours, petit forest. Bon, il n'y a rien. De façon empirique, il n'y a rien. Je vois des trucs, hein, mais alors... Oula, je vois vraiment des trucs. Il y a vraiment des trucs. Il y a des boules. Bon, allez. Soyons foufou. Yipa. Voilà. Takodak. Faudrait-il capturer une boule? Une boule magique. Elle tombe du mauvais côté, apparemment. C'est pas ça. Ce n'est pas cet accessoire. Bon, bah distance. Cinétis. Voilà. C'est pas ça. Donc il faut ouvrir la porte. La te pour. Donc ici, une fois que ce sera ouvert, il faudra y venir, hein. On a bien compris le concept assez conceptuel. Alors... Donc... Thank you.
Ah, il faut peut-être faire simplement un... arrête, ne sois pas si foufou, mon jeune ami. Ouais, vous allez vous dire oui, effectivement, c'est très facile. Ah. Je pense qu'il faut figer. Arrête, jeune Padawan. Ne va pas. Je pense qu'il faut refaire un truc là. Non, ok. Ok. Je pense que c'est pas ça du tout qu'il faut faire. Non, non plus. Excusez-moi, hein, c'est... c'est samedi, c'est pas non plus... Voilà, on lui fait un petit tassin, on lui fait un petit... Ah d'accord. C'est incroyable ce qu'on peut faire avec un peu de jugeote. Oh, je vous t'ai dit, si ça n'ouvre pas la porte, là, je serai un peu chamoisine. Comme disait le chat de ma voisine, je serai chamoisine. Ouais, c'est la deuxième blague du samedi. Hein. La troisième, j'arrête le let's play. Alors, et pas de coffre par ici. Bon, je l'ai peut-être pas vu. Hein. Parle-moi, jeune Krishna. Envoie-moi l'emblème.
C'est mon deuxième prénom. Mais qu'il est content, le petit Link. Doudoudoudou. Ah, j'en ai un deuxième. Bon, c'est pas encore le... Oh, et puis j'ai récupéré les cœurs. Écoute, merci bien, mon gars. Merci de ta sollicitude. Comme on dit chez nous. Alors, l'issue d'un combat dépend en majeure partie de votre stratégie. Ouais, bah la stratégie, c'est pas mon fort. Ouh, le coucou, wesh, wesh. Parfait. Parfaitement parfait. Maintenant, je vais essayer d'aller voir les petits, comme on les appelle, les deux petits. Où sont-ils, les petits? Le Boostify, il dorme. Ah, il y a des trucs à prendre, hein, cette fois. La torchounette. J'ai raté un épisode. Mais où sont-ils? Et si nous attendions jusqu'au matin? On va attendre jusqu'au matin. Parce qu'on n'est pas de nuit, nous. On n'est pas de la nuit. Oh, tu es magnifique. Bon. Ah bah mince. Ouais, où sont les deux petits là? Hi. D'accord. Ah. Non. Ah. Concours de débourrage. Ouais, je veux bien, mais je sais pas comment on fait. Il me pète les bourses. Et qu'est-ce qu'il me fait, quoi? Oh, le pélican, quoi. Dégagé, ouais.
J'ai un cheval, hein. Oh. Excusez-moi, je suis perdu dans mon dressage. Et puis je comprends pas les commandes. Lui, je voudrais lui parler pour lui envoyer le cheval. ZL, c'est quoi ZL? Oh là là, t'énerve pas mon bus. On va y arriver. Sors de là, s'il te plaît. Oh là, il est parti s'enfermer dans le... D'accord. Oh. Ah. Oh, hi. Je vais enregistrer un cheval. Cool. Mais tu reçois le filet et la selle du relais en prime. Allez, on y va. Ouais, j'ai pas beaucoup de rubis, hein. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler. Epona. Il me semble que c'était le nom du cheval de Link dans les précédents Zelda auxquels j'ai joué. Comment on lance sur OK? Ah! Oui! Non, je laisse ici. D'accord. Le petit sifflement. Alors, je vais essayer de battre ton record maintenant, l'artiste. Ah. Oh.
Eh ouais, gars. Et ben voilà, 50 rubis. Oh. Comment je fais pour en descendre là, comme ça là. Voilà, c'est ça. Alors. D'accord. Ok. Ouais, j'ai tout compris. Les apprivoiser. Ok mec. Oh, c'est un peu... Tu peux pas avancer gars? Oh là là, c'est un peu pénible hein, cette manière de discuter avec les types là. Ouais. Cool. C'est quoi? Ok. Viens là, mon go. Alors, on va où? On va à Cocorico? Ah, je suis content. T'énerve pas. Nous sommes au pont de Cocorico. Oula, va pas te...
Attends mon gars, je ramasse des plantes. Les plantes, c'est la vie. Qu'est-ce que c'est ça? C'est d'autres plantes. Ok. Ah bah y en a plein ici des plantes, c'est cool. Profitons-en. Ah, une fleur armo. Ok, on va faire péter ce truc là. Non, c'est pas ça. C'est un peu du brun, quoi. Yo. Un vieux fail. À chaque fois, je me prends ma bombe, quoi. C'est vraiment le boulet, le boulet parfait, quoi. Ok. Ok. Il y a quoi ici? Il est où, mon petit? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mon dieu. Ah, on peut lui parler. Nom d'une noix. Petite noisette. Tu peux me voir? Non, non, je peux pas te voir. D'accord, je m'appelle Noya. Tes maracas, et t'es sérieux là? Tu crois que j'ai que ça à faire de trouver des maracas? Ok, ouais, tu veux tes maracas, ouais. Ouais, t'inquiète. Ça va aller. Alors, ils sont où tes maracas? Bon, déjà, faut que je... C'est pas ça. Je ne sais plus comment aller dans le menu, c'est fascinatoire. Ah, la sacoche est là. Ce champignon d'une grande valeur. Ok. Allez, on y va, on prend son arme. Ah, prendre ça. Allez, hop. Et c'est parti. Oh là, mais quelle espèce d'andouille. Oh là là là. Oh le fail. Oh le fail du boulet, quoi. Le fail du boulet. Alors. Je pense qu'on a pu trop traîner parce que je pense que le let's play dure déjà depuis un petit temps. Ah.
récupérer sa maracas à Johnny Joba. Est-ce qu'il y a des massues là? Ouais, on va les prendre. Voilà. Parfait. On va s'en équiper. Oh, cette pluie est impénible. Allez, on y va, on va lui rendre ses maracas. On aura fait un heureux. Coucou bébé. Oh là, il est... Quelle vieille drache. Allez, le cheval est toujours là, quoi. Ok. Allez, tiens, je te rends tes maracas. Je ne sais pas, je vais peut-être les garder. Maracas. Oh là là. Et tu... Ah, je pourrais agrandir ta sacoche. Ah ouais, ça me ferait grave plaisir, quoi. Donc, le journal des quêtes... Ok. Bon, allez, viens mon gars. Nous, on va aller au village. Ah mais c'est vraiment un super jeu, on s'y perd gentiment, qu'est-ce que c'est que ça ici? C'est quoi ce truc là? Ok. Bon, d'accord, il y a comme une espèce de passage. Bon, je vais pas me... Je voudrais juste arriver au village pour terminer le let's play. C'est quoi ce truc? C'est des flèches? Bon, on s'en moque. Eh bien, nous y voici, les amis. On est arrivé au village de Cocorico. On essaiera de trouver le petit sanctuaire qui va bien. On va aller faire nos petites emplettes, je suppose. Apparemment, on peut y acheter des... On peut y acheter des... Des vêtements de qualité. Bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi ce nouveau let's play sur Zelda Breath of the Wild. Surtout, n'oubliez pas les pouces, ça fait très plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, ça ferait également super plaisir. Merci à tous, je vous laisse sur cette petite musique champêtre. À bientôt, ciao, c'était Pépèche à la manette.